dans yeux Anne, douleur, tristesse envahit que Anne, et là aux yeux, Anne t'a répandu cœur dit, Anne t'a répandu dans le devant les seigneurs. Voilà qui avec moi, ma même qui nous garde avec moi. Comment les seigneurs consoler? Comment les seigneurs consoler Anne et les seigneurs? Gardez ensemble avec moi. En 1 Samuel chapitre 2, verset 2 et verset 1 au verset 3. Mon cœur se réjouit à l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point de Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur que la hauteur ne soit plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Frères et sœurs, ma première matin, premier monde qui n'a eu douleur, mais une souffrance. Ma première monde matin, non, il a changé. Non, identique, c'est vrai que tu n'as pas parlé, j'avais sacré, mais on est capable de dire le nom de j'avais sacré. On est capable de dire j'avais sacré. C'est vrai que tu dois parler, non, j'avais sacré. Mais douleur, souffrance qu'on connaît pendant adolescence ou qu'on connaît pendant enfance ou à suivre. Est-ce qu'on peut évoquer le nom de l'Éternel? Frères et sœurs, non seulement que notre Dieu est le Dieu de la consolation, mais également, frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de la protection. Notre Dieu est le Dieu de la protection. Le salut d'Arie dans le son. Dans le psaume 23, il continue pour dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi que ça m'a imaginé pendant que le pasteur Jésus a parlé? Situation, première église d'Adis. Et pendant que m'a fini ma mère, m'a regardé par là, pour moi dire que. Si ce n'était pas la main de Dieu, si ce n'était pas la protection de Dieu, nous devons te mettre toute sécurité, nous devons te mettre de la pire église là. Parce que, pas de rien, pas de rien, pas de rien, monde qui avec lance, pas de monde qui avec épée, pas de monde qui avec javelot, pas de monde qui avec de grands fusils, de grands calibres, mais nous gagnons l'ange de l'Éternel qui nous a fait protéger. Frères et sœurs, et amis des hommes, dès du matin, lorsque vous comptez sur la protection de Dieu, pas de meilleure protection que la protection de Dieu. En Psaume 46, il dit: Dieu est pour nous un secours, un appui qui ne marque jamais de la détresse. Situation de détresse là. Situation de détresse là qui est dans le paysage. Première église baptiste de Port-au-Prince, Dieu est pour nous un secours, un appui qui ne manque jamais de la détresse. Et ça, on va compter sur les frères et sœurs. Protection, en pile fois, nous définissons comme sécurité que nous n'avons pas. En pile président, en pile grand ministre, besoin de plusieurs sécurités pour marcher ensemble avec nous, plusieurs agents de sécurité. Que nous avons pris le monde pour avoir pas de sécurité. Mais nous, nous confions dans le nom de notre Dieu. Parce que c'est lui-même qui va jamais nous bataille. À travers la Bible, en Genèse, chapitre 39, verset 20 au verset 21, nous jouons l'histoire de Joseph dans son cheminement, dans son parcours, frères et sœurs, on est que à plusieurs reprises, Joseph. Lui tombé dans la cité, il est tombé dans la cité, retiré lui, venu avec des marchands israélites, privé en Égypte,
qui était de la maison de Potiphar. Il est dit, regardez avec moi en Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 20 et verset 21. La parole de Dieu dit, il prit Joseph et le mit de la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Ô Éternel, que ta fidélité est grande. Mes sœurs, la conviction de notre Dieu, c'est un bouillon tout fort, c'est un bouillon cuirasse, c'est un bouillon citadelle, qui dit gros, parce que citadelle, dans les cris, c'est un bâtiment. Parce que, bon Dieu, qu'à défendre nous, citadelle, ça a personne, nous n'a pas prendre la chose, mes sœurs. Jabez surmonter son habitat. Matin, mes sœurs. Nous avons ensemble avec nous-mêmes, nous besoin de connaître que bon Dieu il fait provision pour nous-mêmes, pour nous capables de surmonter tout handicap qui nous a dans nous. Que ce soit ces handicaps physiques, que ce soit ces handicaps émotionnels, que ce soit ces handicaps spirituels, que ce soit ces handicaps sociaux. Que ce soit cet handicap intellectuel capable de présenter devant vous-même. Parce qu'on fait le monde capable de dire qu'on ne passe jamais. Ça va dépendre de l'origine sociale, ça dépend de qui sortit ensemble avec mon Dieu. Ça dépend de relations ensemble avec mon Dieu. Ça dépend de façon pour invoquer le nom de l'Éternel. Mon Dieu va regarder souffrance sur vous, mais mon Dieu va changer souffrance sur mon âme. Il y a l'histoire de William Carey. Qui fait en 1761 que je suis nommé le père de la mission mondiale moderne. William Carey, c'était un cordonnier et c'était un enseignant dans une école du soir, une école de nuit. Mais il était un désir voulant, il était un fardeau que mon Dieu devait mettre sous cœur. Et ils ont été déclarés, je vais jusqu'au bout du monde pour l'évangile de Jésus-Christ. Et pendant que j'ai dit ça, dans une réunion de pasteurs, et puis un pasteur âgé qui s'est levé, et pasteur ça t'est dit, jeune garçon, sois assis, je peux sauver les païens sans ton aide. Mais William, je veux aller jusqu'au bout du monde pour le ministère du Seigneur. C'est vrai que c'est un cordonnier, c'est vrai que ça enseigne dans une école de sport, mais moi je voulais faire travailler ça pour le maître. Et William Carey, il était bravé tout handicap ça. Il était allé aux Indes comme missionnaire. Et il a fait un travail épatant, il a fait un travail colossal. Et je vous dis à frères et sœurs, on ne peut pas parler de la mission moderne, on va parler de William Carey. Qui a du cap? Qui n'a pas arrivé le matin? Un du cap, ça, il vient avec souffrance, il faut souffrir, il a des douleurs. Il va peine, il va chagrin, mais le Seigneur, sous faire confiance, matin, il est capable de changer de handicap ça en allégresse. Parce que dit les pleurs viennent le soir, le matin, l'allégresse. Mes frères, la main de Dieu, la présence de Dieu dans la vie, nous, qui est capable d'influencer la vie, nous, qui est capable influencer jusqu'à ce qu'il porte des changements énormes pour le royaume de Dieu. Mais on va être capable de gagner le salut, on va être capable de bénéficier de faveur salut sans la prière, sans une vie de prière, sans qu'on va dévoquer le nom de Dieu. Il va raconter l'histoire de Sadou, c'est un garçon qui dit que gagner
dame qui t'a caché dans un jardin. C'était un jardin qui t'a gagné un pile pied bois, c'était un jardin qui t'a gagné un pile fruit, qui t'a gagné un pile fleur la dernière. Et qu'on est là caché dans le jardin, ça, dame dans la cache ensemble avec petite fille. Et petite là, a cherché dame, les paroles dame, et connaître les paroles dame, la crié, connaître les paroles maman, la crié, les besoins maman. Et il y a un serviteur qui vient, il dit, il dit ça, on pas besoin de crier, on pas besoin de aller, on même abandonner son affaire, on pas sûr qu'on va jouer maman, ça fait longtemps qu'on va chercher maman, on pas sûr qu'on va joindre. Et il a essayé de détourner à la sortie de ça. Il offre le mango, il a fait le mango. Il a fait le mango. Il offre une belle fleur, il offre une pomme, il offre une tas de fruits qui gagnent. Il dit là, non, je n'ai pas besoin, ça y est, c'est maman que j'ai besoin, c'est présence maman que j'ai besoin dans mon massage. Et maman, t'as pas tant de fruits ça. Il dit, ah, si c'est pour les enfants, je n'ai pas besoin de l'autre, il y a un bon. Et même après, il est disponible pour lui, pour qu'il n'y ait pas besoin de les enfants. Mais qui vous nous besoin pour accompagner nos matières, frères et sœurs? Si c'est la présence de Dieu que vous voulez, si c'est la main de Dieu que vous voulez pour accompagner, l'Éternel dit, cherchez, la joignez-moi. Les gens qui sont disponibles pour nous-mêmes, et si nous cherchons ensemble avec tout le cœur, la joignez-moi. Est-ce que vous voulez chercher mon Dieu matin pour sécurité de l'église? Baptiste de la Réunion. Est-ce qu'on est cherché pour Dieu matin pour guider leader notre décision de prendre? Est-ce qu'on est cherché pour Dieu matin pour capable consoler les affligés, consoler les perdus, les pauvres qui allaient loin de Dieu? Frères et sœurs, bon Dieu, il est consolé. Jébès. Et lorsque nous quittons même nous même mon Dieu, et lorsque nous allons chercher la présence de Dieu, lorsque nous quittons nous mettons dans la position, dans la condition pour nous chercher la main de Dieu, la journée, parce qu'il est disponible. Et là, nous joignons, nous sommes capables de chanter par un cantique saillot qui dit tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de brancher, de broncher. Et le dernier verset de ce cantique dit, tiens dans ta main mon âme tout entière. Rappelle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon homme, ma lumière, mon roi, mon maître. Ô Jésus. Chaque jour. Mais bon, je suis disponible pour vous matin. Et ce qu'on désolé, la capable d'être le meilleur de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Par le Saint-Esprit, nous gardions le bon dépôt de la parole entendue ce matin, et en particulier restons sur la présence de Dieu, que la bonne main du Seigneur soit sur nous, pour nous orienter, pour nous guider, pour nous fortifier, pour nous protéger, pour nous consoler. Oui, un mot pour nous bénir. Alors, si vous êtes dans des messages ce matin, ou vous voulez accepter Jésus-Christ dans la vie, vous demandez au passé par devant, et l'Église a accueilli les missionnaires de l'école du dimanche, ils sont là, vous êtes capables d'orienter vers le maître. Entre-temps, nos frères, les officiers recueillent vos offrandes pour vos dîmes apportées à la maison du Seigneur, et nous chantons les versets du cantique, tiens dans ta main
ta main puissante et forte, quand tu